des poches de sang prêtes à être transfusées. Un bien précieux que le CHU d'Angers s'efforce d'utiliser avec parcimonie. Ce sont des produits qui sont pas forcément rares, mais comme ils sont en quantité limitée, il faut vraiment qu'il y ait des bonnes raisons pour prescrire des concentrés de globules rouges. On évite de faire des prescriptions pour des patients qui n'en ont pas besoin, même si parfois on se dit qu'ils en ont peut-être besoin, mais il y a d'autres moyens pour prendre en charge leur anémie. Pour éviter au maximum d'avoir recours aux transfusions sanguines, le CHU d'Angers a mis en place un protocole, une gestion du capital sanguin que recommande aujourd'hui d'appliquer la Haute Autorité de Santé à tous les hôpitaux. La première étape de ce protocole se joue bien avant l'opération. Vous venez bien pour une intervention de remplacement valvulaire aortique. L'intervention est dans un mois, mais au vu des résultats sanguins du patient, l'anesthésiste décide de commencer la prise en charge dès aujourd'hui. Vous le savez, vous avez une anémie, c'est-à-dire des globules rouges qui sont bas dans le sang. C'est la raison pour laquelle on va faire une injection de fer pour que vous puissiez diminuer cette anémie avant l'intervention. D'accord. La chirurgie, on sait qu'elle va faire perdre des globules rouges, inévitablement. Mais le fait de pouvoir remonter ces globules rouges avant l'intervention, ça peut éviter d'avoir à faire une transfusion ou plusieurs transfusions. Une fois au bloc opératoire, d'autres stratégies existent pour épargner le sang du patient. La cardioplégie est prête ? La cardio est prête. Parmi les outils des médecins, un médicament bien spécifique, l'acide tranexamique, contenu dans cette seringue. Ce médicament va permettre de diminuer le saignement pendant et après l'intervention. C'est un médicament qu'on fait en chirurgie cardiaque, comme ici, et on le fait aussi dans la quasi-totalité des chirurgies qui sont particulièrement hémorragiques. Autre élément clé du protocole, cette machine située à proximité du patient. On a un outil très important qui permet de récupérer le sang qui provient des aspirations chirurgicales, de le centrifuger, le laver et de le récupérer pour être retransfusé au patient. Et ça, ça évite d'avoir à commander des poches de sang et donc ça fait de l'épargne sanguine. En appliquant toutes ces stratégies, le CHU d'Angers s'inspire d'une méthode australienne qui a porté ses fruits. Là-bas, le taux de transfusion de globules rouges a chuté de 40%.